Bon matin, il est 9h déjà. Philibert est malade. Fait que c'est ça, j'étais comme dans le lit avec lui. On va faire des petites affaires ce matin. J'ai accueilli 3 nouvelles personnes dans mon équipe en décembre. Je suis super contente. Fait que là, c'est ça, j'ai une petite rencontre avec l'une d'elles. Parce qu'elle a réussi à mettre sa chemise puis à boutonner tout seul ses boutons. Puis là, on est quasiment de la même couleur. On est des mêmes couleurs ce matin. Hein? On est beau, hein? Fait que c'est ça, je m'en vais à mon appel. J'avais dit que je l'appellerais à 9h. Fait que j'étais un petit peu en retard. Fait qu'on se dit attends. Hola! Bon midi! Ah, de ce temps-ci, là, je te l'ai déjà dit souvent. C'est vraiment le chaos à même. C'est vraiment pas facile. Beaucoup, beaucoup d'arrogance, beaucoup d'impolitesse envers moi, envers les enfants. Les enfants me grugent énormément d'énergie de ce temps-ci. Je les trouve pas fins, ils sont pas fins les uns envers les autres, etc., etc. Ça crée des conflits, évidemment. Puis, c'est ça. Fait que le midi, c'est vraiment pas évident parce que ça fait juste se chicaner. En tout cas, fait que là, ils sont partis pour l'école. Il est midi 48. Je me suis fait une belle salade de poulet ce midi. Puis, hey, j'allais porter Elliot à l'école parce qu'il était comme pas allé ce matin, il filait pas. Là, Philibert, il va un petit peu mieux. Quand même. Hein, bonne pitouille. Il va un petit peu mieux, les poutouilles. Puis là, imagine-toi donc qu'il y a un Dollarama qui est ouvert vraiment pas loin de chez nous, en face du Costco, dans le fond. Puis moi, Costco est à 10 minutes d'ici. Et j'ai pas besoin d'aller en ville, complètement en ville, pour aller au Dolo. Je suis vraiment contente, mais pas une bonne affaire. Ça va me coûter cher. J'aime ça aller là. Puis, j'ai tout le temps des commissions. Puis en tout cas, là, je vais te montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté des petits linges, des petites guenilles comme ça. J'en ai des Norwex que j'aime vraiment beaucoup. Je m'en achète quand même régulièrement. Au moins, pas nécessairement le kit, là, mais je m'achète au moins celui-là qui est multi-usage. Je m'achète souvent celui-là. Fait que là, je me suis acheté comme ça. Ils sont comme en microfibre aussi. Fait que je m'en ai acheté 4 parce que je n'ai plus. J'en ai acheté beaucoup, ils puaient. J'ai acheté du popcorn pour la fin de semaine. J'ai acheté deux paquets de faux biscuits Oreo. Elliot m'a dit qu'ils étaient vraiment super bons, genre meilleur que les vrais. Fait que, à 1,50 le paquet, je sais pas. J'ai acheté de la pâte à modeler qui sent bon aux enfants. Là. J'ai acheté fraises, pommes vertes et raisins. Je me suis acheté aussi de la petite terre, 3 paquets de petite terre parce que j'ai des plantes à replanter. Des mini guimauves. Un jour, je vais faire des Rice Krispies. Ah! Je me suis acheté un panier comme ça pour mettre sur mon bureau. Tout le temps des feuilles qui traînent. Au moins, ça va les rassembler au même endroit. Puis, j'en ai acheté un deuxième comme ça, comme Rose Gold. Je fais un panier cadeau avec des produits piqûres dedans pour un événement. Donc, je vais utiliser ça. Je me suis acheté des petits trucs de bureau. Des petits post-it comme ça ici. 2 paquets de crayons. J'en rachète tellement tout le temps, mais en même temps, ça part vite. Des trombones. J'avais besoin de petits tampons démaquillants. Et je me suis acheté 2 cahiers comme ça, 5 sujets pour mes plans, mon plan 2023. J'ai aussi acheté une affaire comme ça pour mettre sur mon bureau, d'autres affaires qui craignent. Parce que là, c'est le bordel, là, puis je ne vois plus à cause de ça. J'ai trouvé ces magnifiques petits plats-là, mais là, il y en a un qui a brisé. Fait que je ne l'ai pas pris. Il a comme brisé à maman, mais regardez comment il est cute. Il est vraiment beau. Je me suis dit pour faire un petit dessert, j'aurais voulu en avoir 2. Il est comme noir mât. Donc on aime ça. Il est super beau, peut-être 1,25. Ça valait pas la peine que je m'en passe. Rempoter aussi un plat noir comme ça, un bol noir de même. Un blanc. Une tasse à café. Aromatisé. Un autre plat comme ça, blanc. Je le trouvais super beau. J'ai acheté des light sticks pour un bain spécial. Je me suis acheté des belles cocottes comme ça sur une branche. J'adore ça prendre des photos avec ça. Puis avec ça, je trouvais ça vraiment beau. C'est le graminé, mais je trouvais pas qu'il faisait. Je trouvais vraiment qu'il faisait vrai. Fait que je les ai achetés. Je sais pas si je vais les utiliser. Mais en tout cas, tu sais, je les trouvais super beau. Oui, je vais te donner.
Donc, c'est ça pour mes achats. Je vais nettoyer un peu ma cuisine. Puis je vais faire d'épuration aussi aujourd'hui parce que là, je me sens vraiment envahie de ce temps-ci. Fait que ça va bien faire si je fais un peu d'épuration. Hey, bon matin! On est samedi matin! Marcus, il y a une fête ce matin. Là, il est 8 heures. Comme je suis dernière minute, on va acheter le cadeau. Fait que c'est à Savannah la fête ce matin de 9h à midi et demi. J'en profite pendant ce temps-là pour aller faire un petit peu de livraison Épicure. Voilà. Je suis de retour à la maison. Donc, il est 9h et quelques. Je vais me faire mon premier café. 9h30. J'ai reçu mes ketones hier. Puis j'ai, il y a une nouvelle sorte. Genre, c'est comme des sortes qui pop de même de temps en temps. Puis j'ai réussi à l'avoir. C'est cerise noire. Mais je suis vraiment plus amère quand que je prends mes... tu sais, je veux dire, j'aime mieux le goût amer des ketones. Je prends les mexicaines, puis je les aime vraiment beaucoup. Les mexicaines hibisco. Puis j'aime plus le goût amer. On dirait que le goût sucré me tombe sur le cœur. Fait que... parce qu'il faut boire ça rapidement, hein, dans 30 minutes, là. Fait que... c'est ça. Fait que là... Non, ça s'en vient. Fait que là, Marcus, Oscar voulait du popcorn, j'en ai fait. Je me casse pas la tête, c'est samedi. Mon Dieu Seigneur. Là, je suis revenue faire du petit ménage. Je voulais aller faire des livraisons, mais là, je sais que les garçons, ça ne le tente pas de garder. Puis, Elliot, ça ne le tente pas de garder. Ça fait de la crise parce que Jonathan a dû rentrer. Jonathan a dû rentrer à l'usine pendant que j'étais partie. Donc, je suis revenue à la maison. Donc, c'est ça. Je suis venue faire un petit ramassage, du lavage. Puis, Ophélie, qui travaille à midi, il faut que j'aille chercher Marcus à midi aussi au Savannah. C'était là sa fête ce matin. Puis, je compte bien aller finaliser mes cadeaux de Noël aujourd'hui. Je pense avec Jonathan. Parce que là, c'est ça. Ça retarde. Hier, j'ai eu un beau cadeau de Jeanne Allard. Puis, ils m'ont envoyé cette bougie-là qui est de Frasier. Elle sent tellement bonne, ça sent le sapin, là. C'est comme la meilleure odeur au monde. Okay, je vais l'ouvrir, je l'allume parce qu'elle sent trop trop bonne. Mmh. C'est ça, hier soir, finalement, j'ai pris une petite coupe de vin, mais j'ai pas fini ma bouteille. D'habitude, je finis tout dans ma bouteille, tu sais, j'ai commencé, tu sais, des fois je commence, mais là j'ai commencé tard, tu sais, fait que je l'ai pas tout pris, je l'ai pris la moitié de la bouteille. Deux ou trois coupes. Ah, je te dis, c'était tout qu'un calvaire cette affaire-là. Faut que je me trouve une alternative. Une alternative, carrément. Je me sens plus bien quand je prends du vin. T'sais, j'ai le goût d'en prendre, mais j'aime ça. Mais je me sens plus bien. Je me sens coupable d'en prendre. Fait que, tu sais, là, c'est comme pas la bonne émotion, là. T'sais. Quand ça te fait du bien, puis c'est correct. Mais quand tu sens la culpabilité à prendre quelque chose, c'est comme un très gros signe. Ouais, fait que il y a plein de monde qui me donne plein d'alternatives. C'est super gentil. Merci. Mais tu sais, moi, je pense qu'il va falloir que je coupe totalement. Ça va être après Noël. C'est comme arrêter de fumer. On le sait que c'est pas bon pour nous autres, mais on fume pareil, tu sais. Jusqu'à temps que tu aies un déclic, tu sais. Puis le déclic, ben, c'est ça. Ça peut prendre plusieurs temps. Mais je l'ai dans la tête, fait que ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaine année. On verra. Je vais faire une batch de muffins, puis je vais la faire avec le mélange gâteau aux carottes. Donc ça va être comme des genres de muffins plein goût. Je sais pas comment dire ça. Ça va goûter quoi? Ça va goûter les bons muffins. Normalement, dans le gâteau, on ajoute 2 œufs avec de l'huile. Regardez,
Et on voit les craques là. Bravo, oh. Maminoun. OK. Si on voit ça, vous allez tous compris. Fifi! Maman! Dans le domaine! Ouais, t'as peur. Hein? Caca! 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 Ok, oh, 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 mais c'est là-dessus, là. T'as pas besoin d'écraser tout ça. Ah, regarde, t'as mis des coquilles. Mmh. On va faire attention. C'est un bagarre! Là! Toi aussi, est-ce que tu as cité Vous allez toutes compris. OK? On va mettre les deux œufs dedans. Vous allez toutes compris. Merci. Ensuite de ça, on va mettre les carottes. C'est moi qui vais mettre les carottes. On va regarder combien qu'on a de carottes pour dire aux amis combien qu'on en met. 1, 2, 3. Dans la recette originale, ça prend 2 tasses. Oui, écoute. Mais nous, on va mettre 1 tasse. Ah! Ouais, on a à peu près 1 tasse de carottes. Mais... Mets les carottes dedans. Wow, merci. Mmh. OK. Là, ça va faire beaucoup. Tu peux brasser un petit peu dans le sang. Okay. Ensuite de ça, on ajoute... Il faut ajouter au mélange 1/3 de tasse d'huile. À la place, je vais mettre de la compote de pommes. 1/3 de tasse, normalement. C'est moi! De ça, on va mettre le mélange. Puis là, je vais couper des dattes. 5-6. Là, okay. Tu peux goûter. OK. Oui. Vous savez aussi. Va chercher ton gobelet. Non, mais va chercher. Non, 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 t'es pas malade. Tant que quand t'es malade juste quand tu vas être malade. Là, faut que tu mettes. Va chercher ton gobelet. Je vais poster la vidéo. Non, mais pose-toi, maman. C'est sûr que si t'aimes pas la cannelle, il y a des bonnes chances que t'aimes pas ce mix-là. Parce que ça sent assez la cannelle. Moi, j'aime ça mettre des mini pépites. À peu près une poignée. Je pourrais mettre des noix aussi si tu as le goût. Donc le mélange ressemble à ça. On va mettre ça dans nos moules à muffin, un petit peu graissé. C'est important de pas utiliser de vaporisateur avec les moules en silicone parce que ça peut créer à cause de la pression. Fait que, tu sais, tu peux prendre un vaporisateur d'huile mais qui n'aura pas de pression à l'intérieur. Ou tu utilises le super pinceau que j'adore. Vraiment, c'est super bien. Je mets un petit peu d'huile puis tout se fait comme il faut. Je vais utiliser ma grosse cuillère, 1/4 tasse pour faire mes muffins. Ça va tout être la même quantité dans chaque muffin. C'est la première fois que je l'ai fait en muffin, le gâteau carotte. Donc, c'est prêt à aller au four. Je les ai mis 20 minutes. Je vais les vérifier après 20 minutes. Ils sont à 350 pour 20 minutes. Ça devrait être un peu plus long, mais je vais revérifier puis je te montrerai le résultat tantôt. Il est 1 heure, puis on s'est sauvés, moi puis papa Jonathan. On a laissé les enfants Ophélie. On a dit qu'on allait finir les cadeaux de Noël. Fait que il nous reste pas grand chose, là, mais c'est parce qu'on veut pas trop rentrer dans les cossins, genre de dernière minute, justement, puis avoir acheté des affaires qu'on voulait pas au départ acheter. T'sais. Matin, dimanche matin, il est bonne heure. Les gars sont réveillés depuis vraiment très, très tôt. Ça a été vraiment. Qu'est-ce qu'on a vu? Ben oui, ça a été vraiment. Hey, maman, moi, j'étais réveillée là, à un moment donné, là. Puis j'étais allée regarder. Ça a été vraiment des semaines difficiles, les dernières semaines. Fait que là, le Père Noël, il a décidé d'envoyer un lutin pour revenir faire l'harmonie dans la famille. Oui! Oui, colle l'harmonie! Donc là, le lutin est arrivé ce matin. Hein, les garçons? Oui. Puis oui. Qu'est-ce qu'il a apporté? Des surprises! Il a apporté des surprises. Est-ce qu'on les ouvre? Oui! Asseyez-vous. 1, 2, 3, go! Vite! C'est quoi ça?
Ah, ça, c'est hot, ça. Ouvre-le. C'est pour ta passion. C'est pour faire des petits chocolats chauds. Oh, c'est des petits chocolats chauds. Oui! Cool, trop cool. C'est quoi la poutoune? C'est quoi? Tire dessus le bas, tire. Hop là! C'est un beau pyjama! Il est bien beau! Marcus, le trouves-tu beau? Hey, wow, monde, voir! Regarde ça, comment il est beau! Puis en plus, c'est écrit... Oscar. Allume dans le noir! T'es bien chanceux! Oh, wow! Il est trop beau! Oh, je suis donc bien contente d'avoir un beau pyjama comme ça, une gang de chanceux! Viens ici, je vais t'enlever l'étiquette. Puis? Oui? Yeah, ouais, il allume dans le noir, hein? Le lutin, il a vraiment trouvé des beaux pyjamas, je trouve, hein? Oui! Des beaux pyjamas de Noël, ça? Godin, on est chanceux. C'est des gommettes? Non, c'est pas des gommettes, c'est juste une étiquette. Donc, en espérant que le lutin réussisse à rapporter l'harmonie dans la famille, hein? Oui, il l'a rapporté. Oui, bon, je t'aime. Merci. C'est ça. Là, je suis en train de prendre mes kétos, là, du matin. Puis, je fais du petit suivi client, etc. Faire du montage vidéo aussi. C'est dimanche, fait que je vais faire ma liste d'épicerie aussi. Je te dis à vos belles journées. 10h15. Aujourd'hui, j'essaye un dessert, un nouveau dessert qu'on a. C'est le cupcake rouge velours. Et là, je veux le faire en gâteau roulé. Donc, j'essaye. J'ai réussi à faire le petit gâteau roulé. Il est vraiment pas parfait. Là. C'est pas vraiment fait pour ça. C'est une recette spéciale, le gâteau roulé. C'est comme spongieux, où il y a beaucoup d'œufs. T'as comme deux morceaux d'œufs. Deux parties. Après, je vais checker un peu des recettes. Là. Jonathan est parti avec les enfants. Les quatre plus jeunes chez ses parents. Donc, je sais pas pour combien de temps, mais une petite demi-heure, une heure certain. Fait que j'en profite pour cuisiner. Ben, je cuisinerai pareil. Là. C'est ça. Ils me disent repose-toi là pendant que je suis partie. Fait que je me repose pas, mais bien. Mais je vais cuisiner tranquillement, faire mes petites affaires. J'aimerais bien que je fasse plein de ménage. Là, j'ai le goût de faire une crème de champignons. J'ai vraiment le goût de manger une crème de champignons. Puis, je vais utiliser mon nouveau sachet coup de cœur que j'adore, pour vrai. Je capote. Herbes et champignons. Il est débile mental. Sérieusement, là, je vais me faire des grosses, grosses réserves. J'ai peur d'en manquer. Il est vraiment bon, sérieux. Fait que je t'invite à l'essayer parce que moi, je le trouve excellent, vraiment. Puis, je me suis pris une petite recette comme ça que j'ai trouvée sur Instagram, sur Internet. Je vais montrer mon petit gâteau roulé. Effoiré plutôt. J'avais pas, tu sais, j'étais comme. Je l'ai fait rapide, là. J'ai mis du glaçage au chocolat que j'avais à la maison, là. T'sais, j'ai pas fait rien d'extraordinaire, là. Fait que, tu sais, il est comme affaissé. Là. Il est pas le fun à regarder. Fait que, c'est ça. Fait que là, je vais mettre un peu d'huile dans mon poêlon avec du beurre. Je vais faire revenir. Un oignon rouge, j'ai pas d'autre chose que ça, de l'oignon rouge. De toute façon, je vais probablement passer au mixette, une partie, 2 cuillères à soupe de beurre. Puis je vais faire revenir les oignons et mes champignons que j'ai coupés, une barquette de champignons blancs, bien ordinaire. Puis, je vais mettre aussi probablement du fromage Philadelphia et de la crème, évidemment. Puis mon sachet, la moitié, il m'en restait la moitié, fait que je vais mettre la moitié de mon sachet herbes et champignons. Fait que c'est ça que je fais. Je vais faire d'autres choses aussi probablement, je vais voir. Je vais mettre un peu de bacon aussi dedans. Je vais probablement faire venir un peu de bacon dans ma crème de champignons. Ça va vraiment bien. Bon matin, bon mardi matin à... 4 jours avant Noël. Aujourd'hui, je réalise que c'est trop pour une seule personne de gérer une famille de 8 sans avoir de l'aide de toute ma famille, y compris mes grands. Il va falloir que je sois un peu plus sévère parce que clairement, je n'y arrive pas.
Alors là, en plus, il faut que je prépare Noël, tu sais. Fait que c'est comme là, je mets ben trop ses épaules, ça n'a comme pas bon sens. Je commence à paniquer. Je suis dans le ramassage, ménage, la chambre des gars qui est complètement dégueulasse. Je suis tannée de faire toute la même affaire tout le temps. Puis j'avance pas dans mon entreprise dans ce temps-là. Que je stagne plutôt. Et c'est ça. Fait que là, j'essaie d'en faire un peu. C'est pas évident. Les gars me virent à l'envers à mesure. Fait que, c'est ça. Puis là, ce matin, le petit lutin, ça fonctionne pas super comme je pensais. Donc, on me chicane. Fait que c'est pas évident, mais en tout cas, il fait des petits coups. Là, Oscar était bien découragé un matin parce que le lutin avait mis du papier de toilette dans le sapin. Donc, il était là, ouais, mais il a fait de la merde. Bon, donc ce midi, j'ai fait du macaroni au fromage. Puis là, je me rends compte que les gars vont jouer dans la chambre à Elliot. Ça va pas être drôle, mais qu'Elliot arrive. Faut pas rentrer dans ces chambres-là. Ça me démoralise. Je suis démoralisée quand je rentre dans les chambres de mes enfants. Ados, il y a rien qu'Enzo. Il y a juste Enzo qui fait pas de dégâts dans sa chambre. Enzo, là, il prend tellement soin de ses affaires. Là. Il est toujours propre. C'est le seul enfant que je connais qui tient sa chambre propre. J'ai même pas besoin de dire de la ramasser. Elle est toujours bien rangée. Bref. Il est vraiment super discipliné là-dessus. Fait que j'ai gardé Marcus ce midi, cet après-midi, parce qu'il est vraiment très malade. Encore une fois, la grippe, le rhume, bref. Elliot, il était malade aussi hier. Excusez, je me cherche des bas, je m'en vais chercher Ophélie. Elliot, il était malade aussi pendant 2 jours. Là, il est correct. En fait, il est correct, mais tu sais, il est pas top, 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 là. Mais il est assez en forme pour aller à l'école. Marcus, c'est ça, il fait de la température. Je donne Zadville, mais c'est pas super pour petit cœur. Il est bien malade. J'espère que ça va passer d'ici à Noël. Et bon 24 décembre! Mon Dieu, je dois bien coincée! Bon 24 décembre! J'espère que ça va bien. Oh, j'ai vraiment arrêté de filmer là, récemment. Toutes sortes de raisons. C'était pas passé grand chose dans ma vie. Puis ce qui s'est passé, ben, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de partager. Donc, nous voilà au 24 décembre. Tabarouette. Jonathan a travaillé toute la nuit. Il est rentré à 9h parce que il se posait en vacances. Il y a quelqu'un dans son équipe qui est à l'hôpital. Fait qu'il avait comme vraiment pas le choix. Hier, c'était la tempête. Il y a au-dessus de 50 000 personnes au Saguenay qui ont manqué d'électricité. Nous, on a été vraiment chanceux. On n'en a pas manqué du tout, du tout. Mais tu sais, il y en a plein encore qui n'ont pas d'électricité ce matin depuis plusieurs heures. Là. Plusieurs heures. Je suis en train de prendre mes suppléments. Aujourd'hui, j'attends ma famille. Je suis en train de faire un petit peu de recettes. Là, je trouvais que j'avais pas grand-chose. Finalement, là, c'est ça. J'ai fait des pâtes pour une salade de macaroni. J'ai fait dégeler du bœuf haché pour faire des petits pains, genre des petits pains fourrés, mais pas au gumbo. Là, je vais les faire style sloppy joe que je vais faire gratiner. Ça va être super bon. Ensuite de ça, j'ai fait ma crème de citron pour faire mes petites tartelettes au citron. J'ai fait aussi des biscuits craquelés canneberge et citron que je suis en train de faire refroidir. Ensuite de ça, là, je vais faire des rouges velours au quart de bonbon avec un crémage au fromage et matcha. Ça va être beau, ça va être bon. Donc, je suis en train de faire ça. J'ai installé les enfants. Là, c'est ça, Jonathan, il fallait qu'il dorme, mais là, il n'arrêtait pas de le gosser. Là. Les enfants ne comprennent pas que Jonathan a travaillé toute la nuit. Fait que je leur ai permis de se faire une belle cabane sur ma table de cuisine. Puis je leur ai installé la télévision en dessous. Marcus fait des beaux dessins sur mon bureau. Moi, ben c'est ça, je prends mon deuxième café. Puis rouge velours, c'est une nouveauté. C'est sorti le 5 janvier dans le nouveau catalogue. Fait que j'avais vraiment hâte d'en parler.
Puis je l'avais fait en gâteau roulé, puis c'était super bon. Puis là, je vais aller faire un petit cupcake avec des cannes de bonbons dedans. Comme je dis, avec un fromage au fromage à la crème et matcha avec notre matcha épicure. Fait que ça va être super bon. Puis c'est ça, je vois comme ça me tente. Là, je fais une couple de petites affaires ici et là. Puis ça sera comme ce sera ce soir. Je vais faire des trempettes chaudes, des trempettes aussi. Puis c'est pas mal ça. Donc, je voulais juste te tenir au courant. Ça va être très relax comme fête cette année. Il y a beaucoup de monde qui sont malades. Là. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Vraiment partout. Là. C'est vraiment tranquille partout. Tout le monde que je connais, à qui je parle, là, c'est vraiment très tranquille. Fait que c'est ça. Ça va être le fun pareil comme ça. Puis je suis bien. Tu sais, je me dis, ah, c'est plus comme c'était quand on était jeune. Puis non, puis c'est correct aussi. Puis tu sais, ça. On passe des plus beaux moments en famille, puis ça va être super. Ça va être vraiment le fun pareil. On va profiter de ces moments-là. Puis sinon, ben, c'est ça, je vais filmer une couple de petites affaires aujourd'hui. Puis là-dessus, ben, je te souhaite un beau temps des fêtes avec ta famille, des moments de bonheur par-ci, par-là. Fait que c'est ça. Dans le fond, je voulais juste te dire un beau joyeux Noël. Puis on va s'en parler un peu plus tard. Je vais aller emballer quelques cadeaux parce qu'imagine-toi donc. Hier, j'ai pas mis des biscuits pour le Père Noël. J'ai oublié. Pas passé à ça pas tout. Le Père Noël n'est pas passé. Il va passer demain. Quoi? Il est arrivé, il fait dodo. Ça, il va se le réveiller bientôt. Continue d'écouter ta TV en dessous de la table. C'est ouais. J'ai pas beaucoup de temps pour faire mes affaires. Fait que, tu sais, faut tout le temps que. Je gère des crises et tout. Fait que là, je vais en profiter pour emballer quelques cadeaux. Donc, les midi 37. Imagine-toi donc. Il a fallu que j'en ai 30 à l'usine. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. En tout cas, on est allé gratter un peu. Pas gratter longtemps, parce que. Donc, les grands ne nous aident pas tant que ça. Mais Ophélie est partie travailler. Là, ben, c'est ça. C'est Marcus, puis c'est Enzo, puis Elliot qui sont là. Je les ai envoyés gratter. Je suis restée dans la maison avec Poutchoun parce que mon frère s'en vient. Puis ça, vu que Claudette est en fauteuil roulant, ben, faut gratter un peu pour que ce soit quand même assez accessible. Sinon, Marcus et Oscar jouent dehors. Puis la petite Poutchoun, elle fait-tu dodo? Elle fait-tu dodo, ma Poutchounette? Ouais, une moustache. Salut. Ok, papa, désolé. Fais pas de dos? T'es bien en dessous de la table? Oh là! Je suis en train d'emballer mon dernier cadeau. Mon père, ma belle-mère, mon frère et ma belle-sœur sont là. Donc, on va commencer tranquillement à prendre un petit verre, jaser. J'ai préparé des bonnes Noël aux enfants. Ils sont bien pleins, fait que ça va les occuper un peu avant de déballer les cadeaux parce que là, vraiment, ils sont impatients. Comprendra. On a cuisiné en masse. J'ai cuisiné quand même pas pire aujourd'hui. Il va me rester des petites bouchées à faire, mais ça se fait super bien, genre sur le fly, en jasant, prendre un petit coupe de vin. Fait que je vais faire ça tantôt. Puis sinon, ben, Jonathan est parti chercher Ophélie. Puis il va s'en venir bientôt. Fait que c'est ça. Ça va être bien tranquille. Je me stabille de même. Fait que c'est super relax ce soir. Puis ça va être bien, bien correct. Plus capables d'attendre, fait que je leur ai donné leur petit bonne Noël. C'est des pierres précieuses. C'est pour faire des cristaux. Vous avez vu des belles petites souris? Thank you.
Non, non, tu comprends pas. À cause de la capote, c'est... c'est quoi ma... La capote, c'est pendant l'air de femme. Ils sont malades. Oh my God! Oh my God! On check les pires départs. Hey, il est malade. Oh, wow! Ça va être beau! C'est de papa. Le Père Noël. Il a mangé le cookie. Hein? T'as-tu quelque chose, toi? Wow! Bon, les amis, bon matin du 25. Regardez, les amis! Oui, mon père a acheté. Où? Un jeu de cible au Dolorama. C'est parfait. Capote là-dessus. Ça prend pas grand-chose. Donc, c'est ça. Wow! On a fini la fête. Il était peut-être 11h hier. Pas plus que ça, là. C'était vraiment... Pas trop tard, on était tout fatigué. Jeannette avait travaillé toute la nuit en plus. Elle était capable. Elle a juste bien fait. Les enfants sont contents. J'avais quand même fait un peu de ménage. Là, mon beau cadeau de ma fille. Je suis tellement contente, tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Elle a décidé pour moi pour ça. Elle pense tout le temps à moi. Elle pense tout le temps. Elle m'achète tout le temps des cadeaux. Elle est trop cool. J'ai réussi le 5! Bravo! Fait que... C'est ça, là. Philibert s'est endormi, puis il n'a pas ouvert aucun cadeau hier. Fait que. J'ai donné comme deux petits cadeaux ce matin. Pour qu'il puisse en profiter aussi. Ça va être un 25, bien relax. Ça va être bien de fun. Je vais aller chercher ma mère tantôt. Il est presque 4 heures. Je viens d'aller reporter ma mère avec Enzo. Enzo est parti pour 2 ou 3 jours chez ma mère en vacances. Fait que ça va. Ça va faire une différence à la maison, puis lui, ben, il va être bien content de prendre un break de ses petits frères, puis de sa mère. Oh là là, fait que ça a été un beau petit réveillon après-midi avec ma mère, c'était bien tranquille. Puis là, c'est ça, Félix travaille, je me retourne à la maison, j'étais vraiment fatiguée. Là. Encore une fois, là, j'ai eu vraiment un gros down, il faut que je prenne plus de sel, puis que je dorme, dans la vie. Je dors vraiment mal, là, de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'en vais à la maison. Il est presque 4 heures, 3h40. Puis je vais aller faire mon lit parce que je l'ai lavé ce matin. Puis là, ben, j'ai le goût d'écouter des films, des séries. Dans mon lit, relax. À rien foutre. Comme on se doit de faire un 25 décembre. Rien foutre. Fait que les enfants sont super contents de leurs cadeaux. Je suis vraiment contente de ne pas avoir trop investi des gros cadeaux cette année. J'ai vraiment été raisonnable, genre vraiment. Là, c'était pas exagéré. J'ai acheté beaucoup de beaux jeux que les garçons vont pouvoir soit jouer tout seuls ou ensemble. Je suis vraiment contente. J'ai acheté un jeu de ramen. Les enfants capotent là-dessus. Enzo capote là-dessus aussi. C'est 4 ans et plus, puis c'est comme t'as des cartes, t'as des fiches, puis tu remplis ton bol de ramen, genre selon en tout cas, selon ce qui est écrit sur la carte, on a fait de même. Puis, ce genre de petites affaires, c'est vraiment simple, ça dure pas longtemps. C'est parfait. Parce que moi, j'ai pas des enfants qui ont une attention qui est longue à faire des choses, fait qu'il faut toujours que ce soit quand même assez rapide. Ensuite de ça, j'ai acheté un autre jeu. Tu sais, j'avais acheté la liste d'épicerie là, l'année passée. Les jeux Ocard à la boutique Léo Ludo. Là. Boutique leoludo.ca, je crois. Puis j'ai un code promo qui est en mode maman 10. C'est un goût de commander. Ça fait vraiment bien. En tout cas, moi, j'ai commandé là. Puis j'étais vraiment contente. Le service est ultra rapide. Fait que ça prend entre 2-3 jours. Puis tu as tout là, ce qu'il faut chez toi. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis, c'est ça, j'ai acheté là, cette fois-ci la boîte à lunch. J'ai aussi acheté un jeu placotte qui est le laboratoire des émotions. Parce que les émotions sont toujours très difficiles chez nous à la maison. Fait que j'ai hâte de jouer avec ça avec Oscar, Marcus aussi. Marcus, j'ai acheté un genre de petite affaire pour déterrer des roches. Il capote là-dessus. Et bien précieuse. Il aime ça, fait que j'ai acheté ça, il l'a déjà fait. Je leur ai acheté plein de petits cossins au Dolorama. Ça leur a fait leur bonheur, pour vrai. Je pense que ce qu'ils ont le plus aimé, c'est les cossins du Dolorama.
quel point qu'on se casse la tête tout le temps. C'est pour ça que cette année, je me suis dit non, 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 non. C'est pas vrai que je vais acheter des jeux à 70$, genre de plastique, là, que dans 6 mois, premièrement, ils joueront plus jamais avec parce qu'ils sont déjà tannés, puis que je vais l'acheter ou je vais l'envoyer à friperie, tu sais. Là, j'ai acheté des beaux jeux de société, ça va durer plusieurs années qu'ils vont pouvoir jouer avec ça, puis tu sais, c'est ça. Voilà ce que j'ai décidé cette année, puis je suis vraiment pas déçue, vraiment pas. De toute façon, c'est ça, ma dualité, c'était comme, on leur en achète quasiment tous les semaines des cadeaux. On est tout le temps en train de leur acheter des cadeaux, c'est juste qu'on les emballe pas. Fait que, ils ont eu à l'année leur cadeau de Noël, puis là, j'en ai juste acheté un peu plus pour Noël, des cadeaux normaux. Puis, c'est parfait, je trouve ça parfait. Ils ont eu des beaux snow avec un petit volant là, pour se glisser dans la cour. Mon père a acheté une trottinette des neiges aussi. Fait que, tu sais, c'était toutes des affaires super le fun. Qui fait en sorte que ça va les stimuler autrement qu'être sur un écran tout le temps. Puis ça, ben, j'étais comme, encore une fois, un peu tannée de tout ça. Ça revient toujours. C'est un pattern qui revient beaucoup. Être tannée que mes enfants jouent aux écrans. Je te dis une belle journée. On va s'en parler demain. Bye!